Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne voyageavecnous.com, sur la page Autour du Monde. Alors ici, nous sommes donc à Mogador, actuellement on l'appelle Essaouira, une des destinations les plus connues du Maroc. Et surtout, ne manquez pas, effectivement, lorsque vous venez ici, de visiter son port maritime. C'est effectivement un vieux port qui existe depuis longtemps, parce qu'il était au carrefour de toutes les routes maritimes internationales. Mais il a gardé son authenticité, et il n'y a rien de tel ici que de venir respirer les odeurs de poissons, de regarder les mouettes se régaler avec les restes de poissons et se remplir la panse, et puis ces couleurs qui sont absolument magnifiques. C'est une étape où nous reviendrons également pour le coucher de soleil qui est magnifique. Mais là maintenant nous allons aller sur la Scala. Bonjour à tous et bienvenue sur notre page Autour du Monde sur le site voyageavecnous.com. Alors, beaucoup de voyageurs visitent évidemment Essaouira, c'est l'une des principales destinations au Maroc, hein. Mais beaucoup provenant de Marrakech ou d'Agadir ou peut-être de Casablanca n'y consacreront qu'une ou deux nuits. Et c'est bien dommage parce que au sud d'Essaouira, vous avez des endroits absolument magnifiques qui méritent d'être découverts. On est ici, par exemple, sur les plages d'Iftan et un peu plus loin d'Azrou, avec un spectacle de dunes, de palmiers, de mer et de falaises qui sont absolument grandioses. Je vous invite à nous suivre aujourd'hui à la découverte effectivement de ces plages, mais aussi des mines de sel de Mimou, un sel rose qui est absolument extraordinaire. Imaginez que on va chercher l'eau de mer à 12 mètres de profondeur pour pouvoir effectivement trouver cette fleur de sel absolument magnifique. Et on l'a goûté tout à l'heure, il est vraiment très bon ce sel. Allez, à tout à l'heure pour les photos.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Voyage avec nous sur la page Autour du Monde. Alors aujourd'hui, comme les jours précédents, nous sommes à Essaouira et notre objectif c'est de vous montrer aussi quels sont les atouts des environs d'Essaouira. Et il y a pas mal de choses à faire et à voir. En l'occurrence, nous vous proposons de nous accompagner dans l'oasis d'Ain Lajar, un petit coin de verdure à une trentaine de kilomètres au nord d'Essaouira, et puis de continuer par la plage de Moulay Bouzektoum. Ensuite, eh bien, une petite sortie en quad, ça va être génial, sur les, bien sûr, plages d'Essaouira, avec comme point d'orgue, j'allais dire, le café où Jimi Hendrix a tourné et a enregistré son clip Castle Made of Sound. Before he was 10, Ray walked into the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior Indian chief. Many moons passed, the more the dream grew strong, until the morning he would sing his first war song, fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts in the sea, eventually. Young girl whose heart was a fount, she was crippled for life, couldn't speak a sound, and she wished and prayed she would stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she'd never seen made her jump and say, "Look, a golden wing ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea, eventually. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne voyageavecnous.com, sur notre page Autour du Monde. Nous sommes à la découverte d'un cap absolument extraordinaire qui se situe entre Sidi Kaouki et Essaouira. Je parle du cap Sim, bien entendu, avec des étendues de sable et de dunes absolument magnifiques. L'occasion peut-être pour certains de profiter du transmarocain, le Dizien Trail Mountain Bike, mais qui se fait en l'occurrence à pied. Des courageux 13
kilomètres à marcher dans les dunes et dans le sable. Nous, on va se contenter simplement déjà de venir ici en 4x4, ce qui n'est pas simple parce que les pistes sont rocailleuses et sableuses, et puis bien sûr de profiter de ce paysage absolument magnifique que constituent ces dunes de sable qui tombent dans l'Atlantique. Bonsoir et merci d'être resté sur notre chaîne voyageavecnous.com pour notre dernière soirée à Essaouira. Eh bien, effectivement, on va y passer la soirée. Le coucher de soleil est magnifique ici sur le port et l'animation à l'intérieur avec les chanteurs Glaoui mérite qu'on choisisse un bon restaurant et qu'on y passe une partie de la nuit. A tout à l'heure et à bientôt sur une autre étape, l'étape suivante, Safi Walidia. A bientôt sur voyageavecnous.com.